Bonjour à tous. Alors, vu que vous avez sorti tous vos rouleaux de papier toilette hier, on va rester dans ce matériau et nous allons créer un petit sapin de Noël. On y va. Alors, il vous faut comme d'habitude un rouleau, une paire de ciseaux, de la colle et puis des petites bonbonnes si vous avez. Alors, c'est exactement un petit peu la même méthode de ce qu'on avait vu hier avec les fleurs. Donc, en fait, vous prenez votre tube de carton, donc là que j'ai peint en vert intérieur extérieur, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez aussi le décorer par la suite. Et donc on va rouler, pardon, on va couper des languettes du tube, tous à peu près de la même largeur. Donc là moi je vais en couper 6, faire un petit sapin. Hop. Voilà nos 6 rondelles. Et donc, on va les disposer pour former. Je vais le mettre vers vous. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va former le sapin. Donc, je vous suggère plutôt de coller déjà les lignes avec les lignes. Et puis ensuite, on va les repositionner, les ranger les unes sur les autres. Donc, pareil qu'hier, si vous avez un pistolet à colle, vous pouvez l'utiliser. Attention les enfants, demandez l'aide d'un adulte. Bah sinon, on va faire comme hier. On va prendre notre colle. On va mettre une bonne dose de colle. On va mettre la deuxième rondelle. Hop, et puis on va venir mettre le petit trombone, le temps que ça colle, pour nous permettre de continuer à coller. Sinon, c'est assez instable. Et ça va prendre beaucoup de temps. Hop. Donc là, on a notre première rangée. On va continuer avec la deuxième. Comme ceci. Et donc là, on va venir assembler les 3 lignes ensemble. Donc je vais commencer avec celle-ci. Hop. Vous avez le droit aussi de mettre un petit peu de scotch hein, si c'est plus facile. Voilà, comme ça. Et puis, on va venir coller. Ici, hop et hop. Et voilà, on a notre haut de sapin. Et pour le tronc, bah, vous prenez un autre rouleau. Vous coupez à la hauteur que vous souhaitez, suivant que vous voulez un arbre haut ou un arbre plus bas. Et puis, on va venir le positionner ici comme par-dessus. Donc, soit ça tient tout seul, bah, soit on va rajouter un petit peu de colle. Donc, là. Je vous suggère de le faire plutôt après qu'une fois que vous avez tout décollé pour avoir un petit peu de place. Sinon, voilà, on le colle comme ceci et vous avez votre petit sapin. Alors, rien ne vous empêche si vous voulez un sapin un peu plus haut, au lieu de faire 3, 2, 1, de rajouter des petits ronds supplémentaires, donc de faire 5, 4, 3, 2, 1, donc ça va faire un sapin un peu plus haut. Ça doit tenir. Et donc une fois que vous avez terminé, vous pouvez, je sais pas moi, coller des gommettes, des petites étoiles, enfin le décorer comme vous le souhaitez. J'en avais fait un petit peu d'avance, donc là j'ai juste mis des petites languettes de papier. C'est quand même très simple. Ça fait, je vous montre, donc on coupe une petite languette qu'on va venir après faire passer ici dans le ciseau. Pour faire quelque chose d'ondulé. Donc on fait ça souvent quand on fait des papiers cadeaux. Les enfants, si vous ne savez pas faire, demandez à un adulte, il pourra vous aider sans aucun souci.
pour faire cette petite ondulation, mais vous pouvez aussi le peindre, hein, vraiment faire ce que vous voulez. Et comme ça, vous avez votre propre petit sapin personnel. À vous!